comment ça va? Il faut que je parle au chef des Voodoo Boys, si vous pouvez m'arranger ça. Bien, bien, bien. Tu perds pas de temps, toi, au moins. Tu dois parler de maman Brigitte. Ça va pas être facile d'organiser un entretien. Vous faites pas du tout affaire avec eux? Pas avec les autres chefs et autres sommités. Ils ont tous un ego hypertrophié. Ils ne vont pas s'abaisser à me parler. Mais si tu insistes, je peux me renseigner et essayer d'organiser un truc. Il me faut juste des détails avant. Je voudrais revoir ma sœur. J'ai un truc qui vole. Vraiment? Tu veux vendre un truc au PDB? Crois-moi, ils ont besoin de rien qui vienne de nous. Ils ont tout ce qu'il leur faut, leurs propres contacts, tech, réseau. Mais c'est comme tu veux. Je vois ce que je peux faire et je te recontacte. Je déteste ma vie. Oye, despacio! NCPD a reçu un appel à propos d'un cyberpsycho. Pour une fois, ils ont envoyé une patrouille. Seulement voilà, ça fait quelques heures qu'ils répondent plus. Alors soit ils sont partis en courant, soit... Enfin bref, tu veux bien aller vérifier pour moi? Merci d'avancer.
sur N54. C'est l'heure des infos locales. La violence continue de ronger les Badlands. Des fusillades ont éclaté sur la 1, la 166 et la 101. D'après les témoins, il s'agirait de règlements de compte entre clans. Les attaques sur les personnes extérieures n'ont pas dépassé la moyenne. Mais bingo, c'est ton jour de chance aujourd'hui. Le jour où Pacifica t'invite à lui faire l'amour. Vous avez quelque chose pour moi ? Bon, comme je te l'ai dit, ce que tu as à vendre ne les intéresse pas. Pas du tout. Par contre, ils ont besoin de quelqu'un pour un boulot. Alors je t'ai mis sur le coup. Si tu bosses bien, tu pourras parler à Brigitte. Ok, je dois parler à qui alors ? Va à la chapelle sur Sloan. Et trouve l'hôtel à l'intérieur. Quelqu'un te touchera ou te fera un signe de tête. Entendu, merci. Barry ? C'est bien ça, non ? Qui c'est ? C'est V ! Le voisin du dessus ! Vous vous souvenez ? On avait parlé bagnole ! Vous aviez dit que vous aimiez la Mizutani Shion. Et moi, j'ai dit que c'était une caisse de frimeur. Ouais. C'est pas le genre de truc qui s'oublie, hein. Vous auriez vu votre tête. J'ai eu envie de me tirer en courant dans les Badlands. Je m'en souviens. Vous voulez quoi ? Je suis venu pour discuter. Vous avez besoin de parler, même si vous voulez pas l'admettre. Je peux pas changer le passé, mais je peux vous écouter. Et vous rappeler que vous êtes pas seul. Attendez, deux secondes. On se connaît à peine, et vous, vous frappez à ma porte pour me parler de mes problèmes ? Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai des problèmes ? Vous me surveillez ? Qui vous a dit de venir ? Ok, d'accord. Vos amis m'ont demandé de passer vous voir, alors je me suis dit pourquoi pas. C'est un type bien, même si il a des goûts de chiottes en matière de bagnole. C'est quoi ça ? Vous voulez mon pied au cul ? Vous savez remonter le moral aux gens, vous. Peut-être que ces deux cons s'inquiètent vraiment pour moi. Ok, entrez. Vous voulez qu'on parle ? On va parler. J'ai perdu un proche, moi aussi, il y a pas longtemps. Un super pote. Comment ça, moi aussi ? Attendez, c'est à cause d'Andrew ? Ils vous ont parlé de lui. C'était mon meilleur ami. Je le connaissais depuis tout petit. C'était le seul à qui je pouvais parler sans être jugé. Vous pouvez vous confier à personne au commissariat ? À Petrova, à Mendez ? Petrova est un bon flic, mais elle sait pas s'y prendre. Et Mendez, il pige rien. Il pense qu'on doit régler nos problèmes tout seul. Si tu supportes pas de voir un gamin se faire buter, c'est que t'es une fiotte. C'est ça qu'il dit. Mais vous lui avez parlé d'Andrew. Honnêtement, j'ai pas mal hésité. Et puis, ils savent pas tout. C'est mieux comme ça. Et Andrew, il est mort comment ? Qu'est-ce que ça peut faire ? De vieillesse ? C'est pas surprenant. Il était à peine plus jeune que ma grand-mère. De vieillesse ? À Night City ? Faudra lui dresser un monument. Tout le monde viendrait voir ça. Une urne dans une niche, c'est bien suffisant. Mendez, il connaît rien à la vie. On a tous nos limites, même lui. C'est juste que lui, il les a pas encore atteintes. Et s'il avait raison ? Peut-être que je suis faible, finalement. C'est vrai, il y a que les forts qui survivent. Si vous aviez rien ressenti à sa mort, alors sa vie aurait eu aucun sens. Ouais, peut-être. Merci, V. Je vais avoir besoin de temps pour digérer tout ça. Ça marche. À plus tard. Go!
Salut. Je crois pas qu'on se connaisse. Je suis Claire. Tu te rappelles pas? La barmaid à l'Afterlife. Merde. Je suis parti sans payer. T'as gagné une sacrée répute au bar. Il paraît que tu serais ultra fiable. Et il se trouve que j'ai besoin d'aide. Je t'écoute. Il me faut un pilote pour des courses de rue. Passe à mon garage, je t'expliquerai tout. Il est où, ton garage? À Arroyo, sur Valley Street. Super beau spot, tu peux pas le louper. Ok, je vais faire de mon mieux. Si je suis pas là quand t'arrives, attends-moi. Je viendrai après mon service à l'after. Ça marche. À plus, Claire. Barry va mal. Je veux dire, si cette tortue était la seule chose qui le poussait à se lever le matin... Bien, tu commences à comprendre. Je dois prévenir ses potes, en espérant qu'il soit pas trop tard. Tu sais ce qu'on dit, hein? Quand tu regardes l'abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Il pourrait passer de l'autre côté. Surtout avec toutes les merdes qui lui sont tombées dessus.
conquistador, une explosion de saveur. Faudra te le dire combien de fois. Tant que tu traîneras avec eux, tu ne mettras pas les pieds chez moi. Non. Pas question. Ah, c'est toi. T'as parlé à Barry ? Il a enfin décidé d'arrêter ses conneries. Nom de Dieu, Mendez ! Il vous a dit quoi exactement, Barry ? Sur son ami qui est mort ? Pas grand-chose. Il en parlait presque jamais. Il a juste dit que c'était le seul qui le comprenait. C'est bien d'avoir quelqu'un qui vous soutient. Barry va pas bien. En fait, il va tellement mal qu'il préfère parler à une tortue qu'à vous deux. C'est censé être une blague. Au contraire. C'est vraiment triste. Barry a pas bien supporté sa vie de flic. Vous vous foutiez de sa gueule. Alors il a arrêté de se confier. Et tout ce qu'il avait à part vous... c'était... une tortue. Un souvenir de sa grand-mère. Jusqu'à ce qu'elle meure. Merde. J'en crois pas un mot. Tu racontes des conneries. Vous voulez une preuve ? Allez voir la niche au Columbarium. Mais pourquoi il nous aurait menti ? Il parlait de cette tortue comme si c'était un humain. Comment aurait réagi Mendez si Barry lui avait dit qu'il parlait à une bestiole ? Merde, Barry ! Je pensais qu'il faisait du cinoche et que ça allait passer. Faut que j'aille lui parler. C'est pas trop tôt. Merci pour votre aide. Voici un petit dédommagement. Non, Petrova m'a dit que sur ta dernière affaire, ça avait merdé. Le capitaine t'a dit de fermer ta gueule, c'est ça? Il m'est arrivé la même chose. Un putain d'assassin d'enfant. Ce fils de pute était au conseil de Petrochem. Alors on n'a rien pu faire. J'oublierai jamais. Le t-shirt de ce gamin. Vert, avec un petit chat jaune. Entre. Bienvenue sur N54. C'est l'heure des infos locales. La
violence continue de ronger les Badlands. Des fusillades ont été tirées sur la route. Ça roule ? Entre. Non. Si je suis dans ce merdier, c'est parce que c'est toi qui m'y as mise. J'ai tout perdu. Tu le sais. Et c'est je ta le faute. Redis tout net. C'est à toi de résoudre tes problèmes et de nettoyer ta merde. Va te faire foutre. Et fais gaffe avec qui tu traites. Rogue, il faut que je te parle. Non, c'est bon. C'est étrange. Ta tête me dit rien. T'es qui ? Je m'appelle V. Et qu'est-ce que tu me veux, V ? Après toutes ces années, c'est vraiment elle. Cette putain de Rogue qui se la coule douce dans un canapé à l'Afterlife. Essaie pas de l'embrouiller. Elle peut lire en toi comme dans un livre, alors dis-lui la vérité. Cette nana, pourquoi elle était aussi vénère ? Pourquoi tu vas pas lui demander ? Elle est peut-être encore en train de pleurnicher dans un coin. J'ai besoin de tes services. Je dois trouver un type. Ah ouais ? Anders Hellman, un ingénieur haut placé, il bossait pour Arasaka. Une milliseconde. Anders Hellman, tu peux me le localiser ? Merci. T'emballe pas. Primo, mon aide a un prix. Et ensuite, Dexter DeShone, Jackie Wells, T-Bug, tu fais parler de toi, V. Et tu laisses un paquet de cadavres derrière toi. La mort te suit. Je dois mettre ça sur le compte de la malchance. Ah, je retrouve bien là son côté casse-couille. Parle-lui de la tour Arasaka, quand ils m'ont abattu sous ses yeux. Tu tiens vraiment à parler des morts ? Ok. Johnny Silverhand, dézingué dans la tour Arasaka, sous tes yeux. Je continue si tu veux. Ou alors en cause ? T'as des couilles, petit. Chez certains, ça me dérange parfois, mais pas chez toi. Mais comme je dis toujours les sentiments, on s'en tape. C'est purement professionnel. Si tu veux mon aide, allons, je les ai dit. Tu vois ? Et si j'ai pas assez ? Et bonne journée et casse-toi, c'est ça ? Non, ce serait plutôt reviens quand t'auras le fric. C'est comme ça que ça marche. À bientôt. À très bientôt. Tu sais où me trouver ? Salut, Cham, V. Accroche-toi encore. Claire, c'est ça ? T'es venu parler de ma proposition ? Ouais, parle-moi ces cours de rue. Ok, mais pas ici. C'est trop le bordel. Je serai à mon garage après mon service, tu peux passer ? Nova, on se voit là-bas. À plus tard. Tu peux pas venir ! T'as plutôt intérêt ! T'as 5 minutes pour ramener ton cul à mon cœur ! Hé, distingué, t'en fous partout, merde là. Ouais, toi, t'as dégueulassé tout le bar. Je peux continuer à faire ça, mais chez toi, ok ? Thank you.
là, t'es connu, Michel. L'idée de rien à nous, tu te songer la vie sous une. Et toi, V, on t'attendait. T'es mon contact? Vous allez enfin me dire ce que c'est que ce boulot? Je ne suis qu'un intermédiaire. T'en sauras plus. Bientôt. Qui est mort? T'as un rapport avec le boulot? Tu crois qu'on a organisé cet enterrement rien que pour toi? Tu me scannes? Pour savoir si je suis seul, quel genre de chrome je porte? C'est une sorte de test? La plupart de ceux avec qui on travaille, on les a connus bébés. On connaît leurs anges. Toi, on te connaît pas. Je veux parler à Brigitte. Elle est dans quoi? Non. Va au centre commercial, près du croisement. Il y a une boucherie là-bas. Demande à voir Placide. Il te donnera les détails. Moi, Michel, à l'aide. On est avec vous. Pas sauté tant qu'on l'a toujours fait. N'y pas fait aucun sens pour ces licognards. Je cherche Placide. Placide. Gardez ici, là. Dodo, tipi, tipi, maman. C'est au même. Continuez. Petite maman. Placide, gardez là. C'est ou pas dodo, crabe la va manger. Toi, Placide. Je veux parler à ton boss. Qu'est-ce que vous voulez? Je croyais que c'était toujours interdit de vendre de la volaille. Les oiseaux sont censés être malades depuis 6 ans. Tu les as guéris, un coup de baguette magique? C'est pas pour vendre. Qu'est-ce que tu veux? Je veux parler à Brigitte. T'as été envoyé vers moi. Tu vas m'en dire plus sur le boulot? Oui, mais pas ici, suis-moi. Où on va? Un quartier qui déchaîne les passions. Une véritable dans la vie. Vous nous dehors! Suis-moi. Tournez pas! Tournez notre villa! Tout c'est Pacifica! Tout cela est plus, aujourd'hui. Bienvenue à Pacifica. Tu connais bien Pacifica? Non. Faut dire que vous êtes pas du genre à déployer le tapis rouge pour les étrangers dans le quartier. Ça devait être une ville à part entière, où les costards auraient pu flamber leurs édits. C'est un circuit fermé. Les corpos gaffent de cash leurs moutons, qui leur crachent direct. Tous les gadgets qu'il y a ici ont été financés par le fric des corpos. Ce qui nous intéresse en ce moment, c'est le GIM, le Grand Imperial Mall. Le plus grand temple de l'avarice dans Pacifica, et aussi le plus laid. Jamais achevé. Jusqu'à la semaine dernière, il était abandonné. Vide. Et maintenant? Les animaux sont entrés. Ils ont fait leur tanière. Ma merde. Passe, pitié. Oh. Ou pas besoin. Et l'autre qui est mon fils. Peut-être. Mais ça c'est pour vous. Maintenant, on peut y en respondre.
Ta emele, moi pas oublié. T'as déjà eu affaire aux animaux? Ouais, quelques fois. Tu veux que les animaux libèrent le GIM, qu'ils disparaissent? C'est pour ça que t'as besoin de moi? Tu sauras tout, très bientôt. Ça rime à rien qu'il soit là. Au milieu de Pacifica, sans renfort, isolé. C'est votre territoire. Merde, même la Flicka, il met pas les pieds ici. Ils essaient de vous provoquer? De vous faire faire un truc stupide? Ils quittent pas le GIM. Ils sont combien à peu près là-dedans? 30, peut-être plus. Vélina, on parle ici. Assieds-toi. Quand est-ce que je vois Brigitte? Tu fais le job, pas avant. Qu'est-ce qui te prend? Commence par me dire ce que tu veux faire. T'as accepté le job. Tu fais ce que je te dis. Connecte-toi, maintenant. Sinon quoi? Les candidats se bousculent au portillon? V, dernière ligne droite, on y est presque, fous pas tout en l'air. Et merde, c'est parti. Bon, bah au moins, il risque pas de te bassiner à mort. Evelyn Parker, ça te dit quelque chose? Pas une des nôtres. Mais elle a travaillé pour vous une fois. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va pas être super potes. Le courant passe pas. J'en mourrai pas. Pourquoi t'envoies pas tes hommes au GIM? Pas notre façon de faire. Et elle marche, votre façon de faire? Elle marche bien, la plupart du temps. Ton chaman du Chrome, c'est Victor? C'est vraiment important? Ou t'essaies juste de me faire peur? Tu dois être à la hauteur, j'ai besoin de savoir. Cette puce, elle a pas de signature. C'est quoi? À part ça, tout est bon? Un problème de réseau neural, de pointe corticale et d'autres merdes. Assez pour mettre fin au contrat? Je t'ai demandé d'où venait la puce. C'est pas important. Elle est foutue de toute façon. Pourquoi? J'ai pris une balle dans la tête. Elle marche plus depuis, voilà pourquoi. Ah, tu m'as pas demandé mon expérience, ce que je sais faire. On n'est pas des corpos, on te propose pas de faire carrière chez nous. T'as juste une chose simple à faire pour nous. Alors, je peux faire le boulot? C'est bon? La camionnette. Là, à 20:35:07. 3 secondes avant, pouf! On essaie de savoir d'où vient la camionnette. Vous avez tout filmé vous-même? Signaux de caméra locale, satellite corpo, on a accès à tout. À tout, sauf à l'intérieur du GIM, pas vrai? Elle est trafiquée, cette camionnette. On n'avait pas remarqué. Eh, j'essaie juste de comprendre, ok? C'est de la tech de pointe, pas vraiment le genre de cet tas de muscles. Il la surveille de très près. Je sais pas ce que c'est, mais c'est important. Batman Kelly a descendu encore. Fais mes potes, là. Tu veux faire une pause? Je crois qu'on a besoin de toi. Ils vont s'en sortir. Concentre-toi. Tu veux faire une pause? Je crois qu'on a besoin de toi. Ils vont s'en sortir. Concentre-toi. C'est pas les animaux ce qui vous intéresse. C'est juste des mignons, ils bossent pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec une camionnette bourrée de tête de runner. Et c'est là que j'entre en jeu. Pour débusquer qui?
Commence par la camionnette. Te fais pas repérer. Évalue juste la situation. Tu es synchro avec Réseau Agré, notre sous-réseau. Hein? Pourquoi faire? Tu es mon vaisseau. À travers Agré, je vois ce que tu vois, j'entends ce que tu entends. Je vais te guider, Régime. Une voix de plus dans ta tête. Tu vas faire la fortune de ton psy. On sait qui est le runner à l'intérieur? Et ce qu'il veut? Ça, tu me le diras. Alors, tu vas me garder à l'œil. Bonjour la confiance. Ok. Y a autre chose que je dois savoir? Va voir mes hommes près du centre commercial. Ils te diront comment entrer. Parlons salaire. Combien tu m'offres et comment je le récupère? Hans dit que tu fais pas ça pour l'argent. Il dit que tu as un problème. Occupe-toi du GIM pour nous et Brigitte le réglera. Ouais. Sauf que maintenant, j'apprends que je dois servir de cible vivante pour vos ennemis. Ça veut dire que mon tarif vient d'augmenter. On verra. Je te promets rien. Ok. Je fais ça pour toi et tu m'arranges un rendez-vous avec Brigitte. D'accord? Ouais. La sortie est au bout du couloir. Descends. Mes gars te laisseront passer. On a fini. Alors, pourquoi les Voodoo Boys? Vous avez pas l'air de croire au vaudou? Je sais pas, demande à ceux qui nous appellent comme ça. Tu veux dire qu'entre vous, vous vous appelez autrement? Tu peux pas me le dire, ce serait trop facile. Forcément. Brigitte sait qu'on doit se rencontrer? Ou alors, t'as mis ce deal en place tout seul? Tu parleras à la chefine le moment venu. Vous êtes pas fan des étrangers ici, je me trompe? Les gens comme toi, ça se remarque. En gros, faut que je fasse attention. Ah, hein. Bonne idée. T'écoute. Quoi? Test de stabilité, la liaison de ton côté. Elle marche? Ouais. On dirait. Toi, V. Il paraît que vous savez comment on entre. Oui, garage, derrière. Mais chut, pas de bruit, ok? Il s'est passé des trucs intéressants là-dedans?
Depuis qu'on est là, tout est calme. Personne n'est entré ou sorti? Ben, ils sont sentis faire des courses une fois.